Ce fonds, réparti en chèques de 25 000 à 100 000 francs CFA, a été remis aux femmes issues de 3 associations d'intérêt économique dans le cadre de la mise en œuvre du projet RESPI, Réseau éducatif et social des femmes ivoiriennes, destiné globalement à améliorer les conditions de vie des femmes et de leur assurer une plus grande autonomie. Le but du projet est exécuté en partenariat avec l'ONG VIF et l'ONG internationale CEVI, la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et le complexe socio-éducatif de Daloa. L'objectif est de favoriser le progrès du continent africain en général et celui de la Côte d'Ivoire en particulier par le biais de l'autonomisation et de l'égalité des droits et des chances des femmes. C'est dans ce contexte que la remise officielle des premiers chèques aux bénéficiaires a été suivie de près par les autorités de la place, notamment le préfet de région et la directrice régionale de la solidarité. Ils ont souhaité une bonne utilisation des fonds mis à la disposition des bénéficiaires ainsi que leur remboursement pour permettre à d'autres femmes d'en bénéficier. Ce projet, qui a une durée de vie de 3 ans, devra à terme soutenir au moins 500 femmes des milieux les plus vulnérables dans des activités à caractère économique et génératrices de revenus, au dire du chef du projet, Étienne Nebout.